Laurent Gbagbo investit candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour la prochaine élection présidentielle. À cette première convention du PPACI ce vendredi 10 mai, la désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat en 2025 est officiellement actée par son parti, à la grande joie des militants. C'est chose faite parce qu'à l'unanimité ici, il y a eu des motions de lui et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Gbagbo est notre candidat officiel, son année formelle. En 2025, l'homme qu'il nous faut, celui que Dieu lui-même nous a ramené de la haie, il est prêt pour continuer le combat, pour continuer dans le sens qu'il a commencé, c'est-à-dire la prospérité des Ivoiriens. Choisi donc par ses militants pour représenter le PPACI à l'échéance électorale de 2025, Laurent Gbagbo reste toujours exclu de la liste électorale, car étant sous une condamnation judiciaire. Toute chose qui n'empêche pas son parti de se projeter pour le combat futur. Le président fondateur du PPACI, candidat désigné à l'élection présidentielle de 2025, se félicite de la grande mobilisation des militants. Il se dit prêt pour la reconquête du pouvoir d'État. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. À la suite de cette convention, le PPACI prévoit une grande tournée de mobilisation dans plusieurs régions du pays. Première étape, la ville de Bonoua, le 14 juillet prochain.